Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie DP. Je vous retrouve aujourd'hui avec un petit unboxing de chez GBFKE. Ils m'ont proposé de rechoisir des articles dans leur boutique. Ils m'ont donné un petit budget de 15-20 $ avec lequel j'ai pu choisir des petites choses vraiment très sympas dans leur boutique. Ce que j'aime beaucoup avec chez GBFKE, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont vraiment à prix tout mini, tout mini. Donc du coup, dans ce petit colis, il n'y a pas moins de 7 articles. Voilà, il y a un petit peu de diamond painting. Pas mal en fait de diamond painting, un petit peu de point de croix et un petit peu de matériel de point de croix. Voilà, donc on va regarder ça ensemble. Je vais mettre le petit colis sur le côté et je vais piocher ou alors je le vide. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça de vider le colis. Voilà, j'ai vidé mon colis, donc vous voyez quand même pas mal de petites choses dans ce colis. Donc je vais mettre tout ça sur le côté et on va regarder d'un peu plus près. Alors, hop, 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 et hop. Tout d'abord, j'ai pris ceci. Alors, ça, c'est nouveauté. Et je voulais savoir ce que c'était parce que ça m'a vraiment intriguée. C'est dans une petite boîte comme ça, rouge en plastique. Ils vendaient ça, ils ont appelé ça, je crois, patch autocollant. C'est ça, patch autocollant. Et c'est une petite boîte dans laquelle il est censé y avoir 60 patchs autocollants. Et j'avoue que ça m'a intriguée. Je trouvais ça assez original. Je me suis dit. Autant essayer ce genre de petits accessoires, peut-être que c'est vachement bien, j'en sais rien. Donc on a la petite boîte en plastique, j'aime bien la boîte, elle fait vachement rétro, je sais pas ce que vous en pensez, ça fait vraiment petite boîte rétro. Comment est-ce qu'elle s'ouvre? Est-ce qu'il faut appuyer? Oui, il faut appuyer tout simplement. Et à l'intérieur, on a des petits trucs comme ça, transparents, qui normalement sont censés être autocollants, je crois, des deux côtés. Hop. Effectivement, ici, le plastique se décolle. Et effectivement, ça colle. Et de l'autre côté aussi. Voilà, c'est des petites lamelles comme ça en plastique qui sont autocollantes des deux côtés. Ça a l'air de coller pas mal. Donc peut-être que pour accrocher des choses de façon. J'ai mis plein de traces de doigts sur celui-là. On va en prendre un autre. Pour fixer des choses de façon assez solide. De façon, bah, vous aurez un petit peu d'espace pour ensuite pouvoir peut-être glisser votre doigt pour pouvoir le décoller. Ça a l'air pas mal, je pense que c'est une alternative aux rouleaux de scotch autocollants. Vous savez, ces rouleaux de scotch un peu épais, moelleux là, pour coller. Et donc normalement, il est censé y avoir 60 petits trucs dedans, de mémoire. Donc ça ferait 20 petites tablettes. On va regarder. Une, deux, trois, quatre. Ah, ça accroche un peu. 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, il y a largement. Je pense qu'il y a largement et voilà ce que ça donne. Donc ça, c'était un petit truc que je voulais voir ce que c'était. Et je me suis dit que ça pourrait toujours être utile si c'était bien ce que c'était. Ça paraissait un peu plus épais sur le site. C'est vrai que sur le site, on ne voyait pas trop ce que c'était, l'épaisseur, la taille. D'un côté, ça paraissait immense, de l'autre côté, ça paraissait petit. Et je me suis dit, je vais prendre et je verrai bien parce que ce genre de truc, on a toujours besoin d'avoir un petit truc autocollant pour réparer un petit truc ou même pour coller quelque chose. Pas forcément sur un mur ou sur un meuble, mais des fois on a besoin de coller un petit truc. Ça peut être sympa et ça peut être recoupable, je pense. Donc c'est plutôt pas mal. Donc ouais, c'est un petit article rigolo, sympa. Ça pourrait vous servir à fixer des diamond paintings. Ça peut servir à fixer des choses dans un cadre. Vous savez, quand vous avez votre cadre, vous avez le fond. Des fois il faut mettre un petit quelque chose pour. Soit vous prenez un scotch, vous roulez. Vous savez, vous roulez sur l'extérieur pour coller. C'est la méthode à l'ancienne que faisait ma maman. Vous pouvez mettre ce genre de petits trucs pour que vous les mettez aux bons endroits. Vous aplatissez votre truc par-dessus. Ça veut dire que votre toile, elle tient un peu au cadre. Donc au moment où vous allez l'encadrer, normalement, elle ne devrait pas glisser, par exemple. Ça peut servir à ça. C'est pas trop épais pour ça. Donc c'est plutôt pas mal. Donc petit accessoire comme ça qui est sympa. Et ils vendaient ça 88 centimes la boîte de 60. Donc franchement, c'est pas mal. En plus, il y a la boîte pour le ranger. Donc à glisser là dans un tiroir créatif. Ou dans un atelier, ça peut être pas mal du tout. Ensuite, j'ai pris un lot de petites pinces. Mon paquet de pinces est troué. Donc, c'est un tout petit lot de pinces. C'était avant de prendre le lot de 25 pinces. C'est un lot. Ah, il est censé en avoir 8. Ah oui, ils sont là, les deux autres, elles se sont sauvées. Donc, c'est un petit lot de 8 pinces. Je ne me rappelais même plus que je l'avais pris. Il me semblait que je l'avais enlevé du panier, vous voyez. C'est pour ça que j'avais pris les autres ailleurs. Donc, c'est les mêmes que je vous ai présentées dernièrement. Ce sont des petites pinces comme ça, un peu crocodile, qui pincent assez fort, mais qui ont pas mal de précision et qui pincent assez fort. Ce qui fait que ça vous peut vous permettre, notamment en couture, de bâtir
quelque chose en mettant vos deux épaisseurs de tissu, vous pincez, ça va les tenir en place. Les chèques, les couturières maintenant s'en servent énormément. Comme je vous ai dit, moi j'étais vieille école, donc j'utilise encore des épingles, mais je me dis que peut-être que ce genre de pince, ah, il pince fort, hein. Pas semblant. Du coup, ça peut être pas mal. Ça peut servir, ça fait penser aussi aux pinces qu'on vendait pour, vous savez, mettre deux chaussettes ensemble et pour que les deux chaussettes restent ensemble dans la machine à laver. On vendait ça sur la boutique magique ou la Redoute. Je ne sais pas si ça vous parle. Vos grand-mères, elles avaient peut-être ça aussi. Vous mettez vos deux morceaux de chaussettes, vous les pincez et quand vous les lavez, du coup, elles restent ensemble. Ça fait penser à ça. Et je pense que le centre, il a l'air d'être en acier inoxydable. Ça résiste peut-être à l'eau. Donc j'ai pris un petit lot d'huit pinces. Ça viendra compléter ben, celui que j'ai déjà. Ça valait 1,29€. Donc c'est vrai que c'est pas mal pour faire des petits projets, pour s'aider, pour tenir des choses. Ça peut servir aussi, pas que pour la couture. Hein. C'est d'un côté qui est plat. Vous voyez, le dessous il est plat. Donc par exemple, si vous voulez vous en servir pour tenir des feuilles, par exemple, sur un. Si vous dessinez mais que vous n'avez pas les grosses pinces. Les grosses pinces de dessinateur, justement, vous utilisez une pince comme ça pour tenir votre feuille sur un bord de cahier, sur un livre, pour accrocher votre recette de cuisine à un support, etc. Enfin voilà, ça peut servir aussi dans le quotidien. Le fait qu'elle soit plate en dessous permet plein d'utilisations. Donc voilà un petit lot de pinces. Voilà, donc enfin je vais mettre dans quelque chose parce que du coup c'est ouvert. J'ai pris un petit accessoire. Alors en fait je ne savais pas exactement ce que c'était. C'était marqué Toile Aïda et c'était écrit organisateur. Non, on avait la photo de la Toile Aïda et c'était la légende, c'était organisateur. Je me suis dit qu'est-ce que c'est? Est-ce que je vais recevoir des organisateurs de fil ou est-ce que je vais recevoir de la Toile Aïda? Donc j'ai reçu de la toile Aïda et c'est de la toile Aïda 11 cantes. Voilà, je me posais la question de savoir si ce serait de la 11 cantes ou de la 14 cantes. J'ai l'impression que malheureusement, ils n'ont pas l'air décidés du tout à nous sortir de la 14 cantes, à mon grand désespoir. Je vais essayer de les contacter les uns après les autres en envoyant le lien de ce genre d'annonce en disant est-ce que vous allez le faire en 14 cantes? Parce que c'est vraiment mon rêve. C'est mon rêve que les partenaires, les vendeurs chinois se mettent à vendre des petits coupons comme ça de 14 cantes. Ce serait royal. Après, en 11 cantes, ils en ont pas mal, ils ont plusieurs couleurs. Donc, c'est un petit lot qui contient normalement deux toiles Aïda 11 cantes en 30 par 30. Du coup, c'est ce qui était sur la photo. Et je voulais savoir, en général, quand il y a un conflit entre la photo et le texte, c'est toujours la photo qui est la bonne sur leur site. Voilà ce que ça donne. Alors je vais prendre ma règle, parce que vous voyez, on a le bord là du tissu. Savoir si les 30 cm c'est avec le bord. Oui. Là du coup ça fait un peu moins de 30 parce que le bord est compris. Et en hauteur ça fait... Ah 29,5. Aïe. Et donc l'autre c'est pareil parce que les deux coupons font la même taille. Donc voilà, pour les personnes qui cherchent de la toile en 11 cantes, donc ce sont des petits coupons, donc comptez 28 par 28 hein, ou 29 par 29 enfin, de surface brodable, mais sachant que vous devez laisser une petite marge. Ils les vendent 3,99€ les deux petits coupons ensemble. Vous en avez après qui sont seuls, où il y a plusieurs autres couleurs, il me semble qu'il y a du rouge, du vert, du bleu peut-être aussi. Comme ça, un petit coupon en 11 cantes. Moi personnellement, je ne pense pas m'en servir, donc je pense que je vous la ferai gagner à l'occasion parce que pour le coup, j'avais pris un petit peu pour le challenge, c'était pas précisé du coup, on avait juste la photo de deux petits coupons de toile Aïda, on n'avait pas de précision du coup puisque tout le reste de l'annonce était indiqué en organisateur de fil, donc je me suis dit, allez, je vais prendre ça, on va voir ce que ça donne. Donc voilà, sachez que la photo est bonne. Le texte de l'annonce, pas forcément, mais c'est pas la première fois que ça arrive que je fais ce test là. Et donc voilà, ce sont des petits coupons et c'est bien du 11 cantes. Voilà, comme c'était rien de précisé, j'ai croisé les doigts très fort pour que ce soit de la 14 cantes, mais c'est bien de la 11 cantes. Voilà, après aucune déception, hein, voilà, je suis pas en mode c'est déçu, mensonger ou quoi que ce soit. Je serais très contente de vous offrir ces petits coupons de toile à l'occasion. Hop, ensuite. On va passer dans le Diamond Painting avec ce premier petit article. Ils ont sorti des lots de broches. Et ça, c'est rigolo. J'avoue, c'est rigolo. Ils ont sorti des petites broches. Il y a des broches de Noël et il y a d'autres broches. J'ai failli prendre le lot des broches un peu plus exotiques. Parce qu'il me semble qu'il y a une fleur, fleur de... Oh, c'est quoi? C'est un oiseau de paradis ou c'est une fleur de...
frangipani, non, un hibiscus peut-être. Enfin voilà, ça fait, il y a une feuille de palmier aussi. Enfin voilà, c'est vraiment exotique. J'ai failli le prendre, mais du coup, bah, comme j'ai pris la Tolaïda, je pouvais pas tout prendre. Du coup, j'ai juste pris celle-ci. Les broches de Noël, c'était à 5,89 quand moi j'ai validé mon panier. Et du coup, j'ai pris celle de Noël. J'en ai pris un des deux lots de Noël. Il y en a deux lots. Donc, nous avons un toolkit stylet colle barquette et petit sachet zip. Et nous avons les petites broches. On a d'abord toutes les petites attaches. C'est marrant parce que ça me rappelle vraiment mon enfance. Il y avait des petites broches en plastique avec ce genre de petites attaches. Ça n'a pas changé. Ce sont exactement les mêmes. Là, avec le petit système de sécurité, on ouvre et on va recoincer. Je ne sais pas si vous, ça vous parle, mais alors moi, il y avait ça quand j'étais petite. Alors moi, j'en avais pas forcément, mais mes copines, elles en avaient et elles me faisaient rêver avec ça. Cousines, elles en avaient aussi des broches comme ça. Et je trouvais ça super rigolo. Voilà. Moi, j'avais pas forcément beaucoup de broches parce que le problème des broches, c'est que ça fait des trous dans les vêtements. Et ma maman, elle n'était pas très fan des trous dans les vêtements. Donc, j'avais pas de broches. J'ai pas eu une enfance malheureuse pour autant, hein, rassurez-vous. Mais je trouvais ça rigolo de voir ça chez les copines. Et là, quand je vois le système de fermeture, ça me rappelle totalement ça. La première, c'est une petite botte comme ça. Donc, ça a diamanté forcément que d'un côté. Hein, puisque derrière, l'idée, ça va être de venir coller le petit truc. Donc là, vous n'avez pas vraiment le choix. Vous devez le coller droit. Et puis pour d'autres, je pense que vous pouvez le coller horizontalement. Mais souvent, on les colle droit. Voilà, comme ça, c'est plus facile de l'accrocher que si vous mettez dans l'autre sens. Dans l'autre sens, vous avez plus de chances de le mettre de traviole. Alors que dans ce sens-là, vous piquez dans le bon sens. Donc, c'est plus facile de piquer dans ce bon sens. Donc, on a la petite botte. On a le petit bonhomme de neige. On a le petit Père Noël. C'est bien, le visage n'est pas diamanté, donc comme ça, il restera bien net. On a le petit nœud avec le hou. Alors comme ça paraît un peu brouillon, mais quand il y aura le diamant, ça sera beaucoup plus clair. Et enfin, celui-là est trop mignon, on a les petites bougies. Voilà. Alors ça, typiquement, moi, je ne vais pas m'en servir comme broche. Je pense pas. C'est quand même assez gros. Hein. Si je vous mets une barquette à côté pour l'échelle, ça reste assez gros. Ça serait portable hein, pour une broche de Noël. Vous savez, pour les jours pullover de Noël, etc. Ça pourrait être sympa pour agrémenter votre vêtement. Vous pourriez prendre un pull classique et accrocher plusieurs broches et une guirlande de Noël. Et vous avez un pull de Noël. Vous voyez ce que je veux dire? Vous savez, en entreprise, il y a des fois, il y a les concours du pull de Noël. Le plus moche. D'ailleurs, c'est dommage de faire le plus moche parce que ça devrait juste être le plus festif. Ce serait beaucoup plus sympa. Et du coup, ça pourrait être sympa pour ce genre d'occasion. Moi, personnellement, je pense que je vais les détourner et je vais les accrocher, je pense. On va faire un système pour les intégrer, soit dans une petite décoration, soit je mettrai de la pâte à fixe ou d'eau pour les fixer quelque part pour décorer, en fait, tout simplement. Parce que la petite broche, je suis pas sûre, j'ai pas de rideau. J'aurai des grands rideaux chez moi, je pense que je mettrai les petites broches et je les accrocherai sur mes rideaux. Ça ferait des petites décorations super mignonnes dans les rideaux. Ça peut être une idée si vous avez des rideaux chez vous, bah, d'accrocher des petites broches sur les rideaux. Mais nous, on n'a aucun rideau à aucune fenêtre. Voilà. L'été, on a les moustiquaires, donc ça nous coupe déjà pas mal la lumière. Et l'hiver, eh bien, comme dès qu'on allume la lumière, on ferme les volets, en général, on n'a pas de rideau. Voilà, tout simplement. Et quand le soleil tape de toute façon à travers les fenêtres, on ferme les rideaux quand ça tape trop fort l'été, parce que je suis dans le sud et que sinon ça cuit dans la maison. Donc c'est vrai que je n'ai pas de rideau. Voilà, je pense qu'il y a une génération comme ça de personnes qui n'ont pas de rideau. Dites-moi si vous, vous avez des rideaux ou si vous êtes team sans rideau aussi. Mais voilà, si vous avez des rideaux, si vous avez, on pourrait les accrocher aussi sur la nappe de Noël, par exemple, pour décorer. Enfin voilà, si vous avez du tissu textile d'ornement, une tenture par exemple aussi, vous pourriez mettre les petites broches et les accrocher dessus, ça pourrait être vraiment très sympa. C'est pas obligé d'être de la broche de vêtements, ça peut être de la broche d'ornement pour votre maison. Ça peut, il y a plein de choses à faire avec ce genre de petits sujets, donc moi c'est pour ça que je les ai pris, parce que j'ai trouvé ça super sympa. Et le fait qu'on soit sur un plexi, hein, c'est le même plexi que les porte-clés, on est sur du 2 mm, ça permet d'avoir quelque chose quand même de résistant qui ne va pas s'abîmer comme un autocollant. Et donc vous allez pouvoir vous en servir vraiment comme un petit objet, comme un embellissement et le mettre où vous voulez. Au niveau des diamants, on a quelques formes spéciales. On a des petits cœurs, je vois ici. Non, des petites gouttes ici et des gros ronds. Les gouttes, c'est pour mettre ici, visiblement. Ah oui, c'est du vert clair. Dans les petites feuilles, on a le pompon du Père Noël et c'est tout. Voilà, et le reste... c'est du diamant classique, donc je ne vais pas vous l'ouvrir, montrer plus en détail. Hein. Voilà, c'est du strass.
Vous verrez les diamants un peu plus en détail quand je les ferai. Quand il y a beaucoup de strass, je vous montre, mais là, je pense que c'est pas la peine. Bah, dites-moi si vous voulez que je vous montre systématiquement les strass, mais je sais que pas mal de personnes zappent ces parties-là, donc je vois pas l'intérêt d'alourdir la vidéo. Ensuite, toujours dans Noël, j'ai pris ceci. Ils ont sorti des petits stickers de Noël. Alors, je ne pouvais pas passer à côté. Je vous avoue, quand je les ai vus, je les ai trouvés rigolos, je les ai trouvés mignons. Et je me suis dit, pourquoi pas, surtout que les stickers de Noël, ils sont 1,89€ les deux planches. Franchement, il n'y a rien à dire. Ça occupe pas mal. Alors, je vais en faire. Peut-être qu'on les fera aussi à quatre mains, ceux-là, avec ma fille. Il y a des choses comme ça, elle aime bien les faire. Et clairement, je me rends compte qu'elle préfère faire les petits objets, les petites choses, plutôt que les grandes toiles. Donc, quand j'ai des petites choses comme ça, j'aime bien partager avec elle. On les fait toutes les deux. J'en fais une partie, elle en fait une partie, et du coup, c'est chouette. Donc, voilà les deux petites planches. Je suis désolée, la lumière, elle est... Là, c'est un peu mieux. Ouais, c'est un peu mieux. On a deux petites planches comme ça, avec des jolis petits motifs. On est sur du papier qui est comment? Transparent ou est-ce qu'il est blanc? Il est blanc. Le fond des stickers est blanc, il faut le savoir. Donc c'est pas mal, ça colle très bien. D'un côté comme de l'autre, ça colle très très fort. Ça peut être super sympa pour faire des petites cartes de Noël, pour faire des décorations de Noël. Les deux boules de Noël sont pas les mêmes. La petite guirlande, c'est sympa. Je les ai trouvés très mignons ceux-là. L'autre lot est très mignon aussi. On est dans un style, je crois, légèrement différent. Les deux sont complémentaires, donc je trouvais ça cool. C'est sympa qu'ils nous sortent des... qui font beaucoup plus adultes que ceux qu'on pouvait avoir jusque-là, parce que c'est vrai qu'on a certains lots de stickers qui font vraiment très très enfantins. Les premiers qui sortaient étaient très enfantins, on avait des motifs très basiques, on va dire, et là ils nous sortent de plus en plus de stickers qui font beaucoup plus adultes, avec beaucoup plus de détails, qui sont plus faciles à incorporer à des projets. Si vous faites du scrapbooking, ça peut être génial de faire des petits stickers et de les intégrer à vos projets. Donc franchement, je suis très contente qu'ils nous sortent pas mal de stickers. Il faudrait juste que j'en fasse un peu plus, parce que là j'en ai quand même plusieurs planches à faire. Et il faut que je les fasse, que je m'y mette. Mais comme j'ai un projet derrière la tête que je voudrais faire après, mais que j'ai pas forcément le temps de faire la suite du projet, et ben je commence pas la première partie. Ce qui est stupide, hein, parce que j'attaquerai jamais la deuxième partie tant que la première sera pas faite. Donc il faut vraiment que je m'y mette. Donc donnez, encouragez-moi, il faut que je fasse les stickers. On a un toolkit style école Barquette, tout simple. Et on a des diamants classiques, hein, puisque pour tout ce qui est stickers, les diamants sont des diamants classiques. On peut ajouter un petit peu de AB si on veut, ça peut être une bonne idée, hein, sur des stickers comme ça de Noël, de rajouter quelques diamants AB si vous en avez, soit qu'il vous reste des toiles que vous avez déjà faites, soit que vous en avez à la maison, vous pouvez ajouter une petite touche. Alors par contre là, le bonhomme de neige, j'espère qu'il n'est pas bleu comme il est là. Sinon il va être un peu bleu, mais je pense que le cercle... autour, c'est peut-être pour qu'on voit le cercle, que non, parce que là le 2 il est bien blanc, donc j'ai peur qu'il soit un petit peu bleuté le bonhomme de neige. On verra bien s'ils l'ont fait un peu trop bleu. Ah, ça a l'air d'être un bleu très clair. Il est dessous là, si c'est celui que je aperçois, il est bleu très très clair, ça ira. Sinon bah je l'éclaircirai, hein. Moi je fais pas un bonhomme de neige bleu comme ça, je trouve un petit peu too much. Puis d'ailleurs il paraît vraiment chauve, hein, le bonhomme de neige, je sais pas ce que vous en pensez, mais il est un peu dégarni. Donc voilà pour les petits stickers. Je suis très contente de les avoir pris. Le problème des stickers en plus, c'est que j'aime beaucoup ça. C'est juste que je ne prends pas toujours le temps de les faire. Toujours dans Noël, ils ont sorti des nouveautés. Alors à la base, je voulais en prendre pour Halloween. Mais je savais que le temps que je reçoive la commande Halloween serait passé. Donc tant pis, je prendrai celui d'Halloween plus tard. Peut-être après Noël, ou alors pour compléter une commande par-ci par-là. Parce que ils ont sorti un modèle d'Halloween qui me plaît énormément. Ce sont des petits serre-têtes. Ils ont sorti des petits serre-têtes très rigolos. Alors c'est très très bien emballé, on est dans une enveloppe bulle déjà. On a une mousse comme ça qui permet de donner du volume au paquet pour pas que ça s'écrase. Et bon, la mousse, tant pis, sera dû à recycler. On a un serre-tête comme ça, qui est assez souple, qui est recouvert de tissu. Je sais pas si vous voyez, c'est du... Hop. C'est du tissu... façon velours, c'est pas du tissu de super qualité, mais ça a le mérite d'être du textile. Voilà. Donc voilà. Attendez, je l'essaye rapidement. Alors, pour un enfant, ça va être très bien. Pour un adulte, il va pas jusque tout à fait derrière les oreilles, mais c'est très bien. Il est confortable, ça tient bien. Et même si vous avez des lunettes, il s'arrête au-dessus des branches de lunettes. Ça veut dire que ça va pas vous éclater les lunettes.
derrière les oreilles. Donc ça, c'est top. C'est très bien pensé. Il est en plus fait qu'il s'assoie jusqu'au bout, parce qu'en fait, le bout, là, en plus, c'est le tissu. Donc ça, c'est très bien pensé. Et on a le petit sujet à diamanter. Donc je le voyais plus gros, le sujet. Mais là, finalement, ça me rassure un petit peu. Parce que je me suis dit, c'est un machin de 30 cm qu'on nous colle sur la tête, ça va être un peu ridicule. Donc on a le petit sujet comme ça à diamanter et à clipser. Non, à enfiler peut-être plutôt. Oui, c'est ça. On l'enfile. Hop. Sur le serre-tête. Et du coup, ça fait un petit serre-tête décoré. Vous pouvez vous donner un style en le mettant, par exemple, penché, si vous préférez avoir le sujet un peu plus penché. Et il y a toute une série de petits décors comme ça à mettre. Alors le fait qu'il faut que ce soit pas sur le serre-tête au moment d'y monter, c'est pas mal. Par contre, du coup, c'est pas à plat. Alors là, par contre, ce que je vous conseille, c'est de garder la petite mousse, de poser votre sujet comme ceci sur la petite mousse quand vous allez diamanter. Et du coup, vous allez travailler à plat. Et vous ne serez pas du tout embêté par le fait qu'il y ait le plot. Et vous n'allez pas fatiguer la colle du plot. Donc ça sera beaucoup plus simple. Donc ça permet de protéger, ça permet de travailler facilement pour diamanter. Donc c'est plutôt pas mal. C'est de l'emballage 2 en 1. Donc ne jetez pas l'emballage tant que vous ne l'avez pas fait. On est sur un plastique super souple. Ça c'est bien. Ça permet d'éviter de se faire mal. Si quelqu'un vous accroche, vous n'allez pas le blesser. Ça va s'accrocher. Si vous, par exemple, vous êtes passé trop près de quelqu'un, vous accrochez dans ses cheveux, bah ça va s'accrocher, ça va se tordre un peu. Alors bien vernir. Moi je vais vernir de toute façon. Hop, comme ça, même si ça se tord, bon pire le vernis cassera un peu, mais ça devrait tenir mieux. La colle colle très bien et c'est en collé sur la totalité. Vous voyez? Voilà. Au niveau des symboles, ils sont très clairs. J'espère qu'ils sont à la bonne taille. Ils sont un peu serrés, donc j'espère qu'ils sont à la bonne taille. Vous voyez, c'est très, très fin. Donc c'est très souple. Et le support derrière est assez grand, donc c'est bien, ça va résister, ça va rester droit. Je trouve ça génial. Franchement, j'en ai pris qu'un, mais je pense que j'en prendrai d'autres parce que je trouve ça super rigolo. Et pour nous, les filles qui, des fois, mettons bien des serre-têtes, ça peut être assez sympa de faire une coiffure en ayant ça. Parce que le gros bonnet de Noël, c'est joli, c'est sympa. Mais le problème, c'est que bah, ça écrase toute coiffure. Quand on l'enlève, ça tient chaud. Quand on l'enlève, ça décoiffe dans tous les sens. Et là, ça permet d'avoir un petit côté fun, festif, rigolo dans la tenue sans être too much. Et par exemple, si vous voulez vous coiffer avec le serre-tête, vous coiffez avec le serre-tête. Et vous pouvez rajouter le petit truc juste à un moment, comme ça, vos collègues s'en rendront peut-être même pas compte tout de suite. Enfin voilà, je trouve ça assez sympa. Et vous pouvez réutiliser le serre-tête hors de la perle de Noël, c'est pas mal. Et si vous en avez plusieurs des motifs comme ça, si vous avez pris ceux d'Halloween, il y en a d'anniversaire aussi. À la base, je voulais en prendre aussi un d'anniversaire pour mon fils. Mais je suis pas sûre que ça arrive à temps. Donc bah, j'ai dit tant pis. J'en prendrai peut-être un pour l'anniversaire de ma fille. C'est pas très rigolo d'avoir des petits serre-têtes comme ça à sortir pour les anniversaires. Si même vous cassez un serre-tête, ou si vous en avez pour plusieurs occasions, vous pouvez resservir les serre-têtes pour y mettre les différents trucs dessus. Vous pourriez même vous amuser à en mettre plusieurs sur le même, quoi. C'est libre à vous. On a un toolkit style école barquette classique et les strass. Donc ce sont des strass. Si vous trouvez que les strass c'est un peu trop brillant. Et que vous voulez faire un peu plus sérieux, vous pouvez les remplacer par des diamants normaux. Parce que ça peut être très sympa ce petit bonnet avec des diamants normaux, quoi. On sera dans des couleurs pleines, même mettre un peu de AB au niveau du blanc, et vous pouvez avoir quelque chose de très joli qui peut être un peu moins bling bling, qui peut être un peu plus rigolo. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Moi, je sais pas si je diamanterai avec les strass ou si je vais le transformer en mettant des diamants normaux. Je vous avoue que j'ai un doute. Là, à l'heure où je vous parle, je sais pas encore. On verra quand je le ferai. Soit je fais la facilité, je mets les diamants, les strass, soit je convertis. À voir. Mais je suis très contente. Le système est vachement bien pensé. Il n'y a pas de risque que ça arrive cassé. En plus, la mousse, elle protège pendant le transport. Plus elle va permettre de diamanter tranquillement. Franchement, nickel. Nickel. Franchement, j'ai rien à redire sur cet article. Et ils sont vendus à un prix très raisonnable puisqu'ils sont à 3,89 €. Alors oui, vous n'avez pas énormément à diamanter, mais pour un petit objet qui peut servir comme ça plusieurs années, voilà, les serre-têtes, les deux queues de Noël, c'est vite pas donné, quoi. Et on finit avec un petit point de croix. J'ai fini par prendre ce marque-page. Alors je vous avoue que ce marque-page, ça fait un moment que je le vois. Et ça fait un moment que je me dis, ça serait sympa. Et en même temps, je me dis, ouais, mais des motifs géométriques comme ça, t'as pas besoin du kit, tu peux le faire toi-même. C'est sûr, c'est exactement, c'est très vrai, hein. Je peux faire une grille facilement d'un motif comme ça, j'ai pas besoin du kit. Mais je me suis dit que pourquoi pas le prendre, voir un peu comment était composé le kit, si c'était un peu comme celui que j'avais déjà pris, parce que j'en avais pris un avec un magicien, je sais pas si vous vous rappelez, je sais plus chez qui je l'avais pris. Je l'ai pris pour l'offrir et je l'ai toujours pas fait, il va falloir que je le fasse parce que j'aimerais bien l'offrir quand même un jour.
Après, je sais pas, après que je revoie cette personne-là tout de suite. Mais il faut que je le fasse. Il faut quand même que je le fasse. Et donc, du coup, je me suis dit, est-ce que je voudrais voir comment c'est un peu présenté, etc. Surtout qu'il est vendu tout seul, celui-ci. Il n'y en a pas deux dans le lot. Donc, je voulais voir ce que ça donnait. Le petit marque-page, il est à 4,49 au moment où j'avais validé ma commande. Donc, il se présente comme ça. Taille 5,4 par 18,4 cm. On est en 14 CT, 30 par 104,3. On a ici un diagramme. Vous voyez, on est sur du diagramme simple. Vraiment simple. On a même comment faire une croix 1, 2, 3, 4. On peut faire, pas faire plus simple. Alors, hop, que j'ouvre et qu'on regarde. À l'intérieur, ça se présente comme ceci. Et j'en ai oublié. Comme ceci. Et là, j'ai tout sorti. Alors, on est sur une toile. Eh bien, on a l'air d'être sur une toile Aïda normale. On n'est pas sur une toile Aïda en plastique, on est sur une toile Aïda normale. Voilà, parce que les autres marque-pages que j'avais étaient sur du marque de l'Aïda en plastique. Là, c'est juste une toile Aïda. Alors, elle n'est peut-être pas 100% coton. Quoique, je pense que si. Mais elle est très très nette, très claire, vraiment une belle qualité d'Aïda. Donc on a deux morceaux, hein, puisque normalement ce genre de marque-page, ils ont prévu qu'on fasse deux fois les deux, enfin le même côté deux fois et qu'on les couse dos à dos. Voilà, c'est ce qui est prévu, même si là on n'a aucune indication, parce que pour le coup, il n'y a pas plus d'indication que ce que je vous ai montré au dos. On a un pompon, voilà, avec une jolie petite perle verte en haut, si vous allez voir. Voilà, on a ici deux aiguilles qui me paraissent un peu grosses pour du 14 CT. Alors celle-ci, la fine, ça doit être pour broder, et celle-ci peut-être pour faire les coutures à la fin. Mais celle-ci, elle est trop grosse pour broder, c'est sûr. Celle-là me paraît très fine. J'avoue, j'ai utilisé une aiguille à moi. Hein. Celle-là me fait penser aux aiguilles à perles, mais vraiment très très fine. Celle-là me fait grosse, vraiment grosse. On a ici les fils et le petit stylo. Ça, c'est des stylos qui se lavent à l'eau. Donc, vous pouvez quadriller votre toile et ensuite vous allez la laver à l'eau. Et là, on a tous les fils. Alors là, ils ne se sont pas embêtés, hein. Ils sont tous ici. Il y a beaucoup de fils. Je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de fils pour le motif quand même. Là, j'ai l'impression qu'ils sont un peu lâchés sur la quantité de fil. Hein, parce que je doute qu'on utilise vraiment tout ça pour ce petit marque-page quand même. Alors, on a un écheveau de blanc. Ah, parce qu'ils considèrent qu'on brode le blanc. Ok? On a un écheveau total de bleu, limite. On n'a pas besoin d'un écheveau total de bleu pour broder ça. Non. Non, non. Mais ils sont généreux là au niveau des couleurs. Je suis en train de me dire, il est où le vert? Ah ouais, le vert. D'accord. Il est là, le vert. Juste un peu là, juste un peu là. Donc on a littéralement 10, 20 croix de verre, deux fois du coup, et on a deux fils complets, sachant que concrètement, vous allez utiliser un brin plié en deux pour faire les deux côtés de votre marque-page. Donc vous voyez du rap. Il y a du rap de fil, bon tant mieux, hein, j'ai envie de dire, c'est jamais perdu du fil. Mais voilà comment se présente ce petit kit. Alors je suis contente, c'est de la vraie toile Aïda, ça change, parce que l'autre kit que j'avais, c'était de la toile Aïda en plastique. Donc bah, ce sera l'occasion de retester. Ils ont fait un grand format pour ranger, c'est pas mal aussi. C'est la même taille que les autres kits. Hop. Je remets tout dans mon sachet pour ne rien perdre. Hop là. Voilà, bah écoutez, je vous ai tout montré. Ça fait une belle commande. Hein. Je vous ai dit, il y avait beaucoup de petites choses. Hein. Voilà, beaucoup de petites choses. Vous voyez, avec pas forcément un gros budget, il y a moyen de s'éclater chez eux pour prendre des petites choses assez sympas, un peu rigolotes, qui sortent de l'ordinaire. On a du Noël, on a des petits outils. Bon, après, oui, j'ai pas forcément énormément de choses à diamanter. Si, il y a quand même les marque-pages, ça va me prendre un petit moment. Juste qu'ils sont pas à côté de moi, donc je les voyais plus. Loin des yeux, loin du cœur. Voilà. Plus les petites pinces. Hop. On va décaler un peu tout ça en fait. Donc j'ai tout bien installé. Et je les ai mis hors caméra. C'est nul. Revenez. On veut vous voir. Voilà. Les petites pinces. Hop, je vais les mettre là-bas. Et la petite boîte rouge. Donc ça fait quand même pas mal de choses dans cette petite commande. Vous y en avez pour moins de 20 $. Donc je suis très contente. De très jolies petites choses.
Le serre-tête, franchement, j'adore le concept. Donc, j'en reprendrai. Parce que, franchement, je trouve ça super chouette. Il y en a d'autres. Alors, moi, j'ai pris celui qui me paraissait le plus classique dans un premier temps. Mais j'en prendrai d'autres. Il y en a des fun. Je vous dis, il y en a pour les anniversaires. Il y en avait des Halloween et il y en a des Noël. Donc, franchement, ouais. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi si vous, c'est un article qui vous plaît. Mais moi, je trouve ça super rigolo. Attendez, je vais essayer avec le truc en dessous, voir si c'est gênant. Alors quand vous le mettez sur le haut du crâne, non, non, c'est pas gênant. Parce qu'en fait, comme vous avez la couture ici, ça donne un peu d'épaisseur. Et ça, en fait, c'est assez fin. Donc par rapport au centre où il y a la couture du motif, la couture et les petits machins, là, ça se sent pas du tout sur la tête. Vraiment, ça se sent pas. Donc c'est impeccable. Bon, après, si vous avez une très grosse tête, que ça écarte beaucoup, peut-être. Mais si vous avez une tête normale, proportionnée normalement, ça devrait aller très bien. Donc voilà, mes petits achats. Enfin, mes petites... Ma petite sélection chez GBFKE. Je suis très contente de ces réceptions. Des jolies petites choses pour Noël. Donc je vais m'éclater avec tout ça. Un pour marque-page, je pense pas le faire tout de suite, mais le fait que ce soit de la Aïda classique, peut-être que je vais le faire plus vite que je ne le pense, parce que du coup, ça va être sympa. Moi personnellement, par contre, je vais pas le faire double face. Je vais faire un côté et je vais trouver un moyen pour faire l'autre côté. Et j'en ferai deux avec ce kit-là. Donc soit deux fois le même, soit je réutiliserai la toile Aïda pour un autre. Mais c'est clair et net que je ferai pas un marque-page recto verso. Ça peut être très joli, mais je sais pas ce que j'apprécie au final. Donc je ferai, bah, il y a de quoi en faire deux pour moi hein, dans ce lot. Et puis bah voilà. Si vous utilisez ces petites pinces, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez utilisé là ces petits trucs double face, ce que vous en avez pensé, si vous en servez, si vous trouvez ça cool ou alors complètement inutile. Parce que je crois pas que ce soit le genre de truc qu'on trouve vraiment en France, ce genre de truc qu'on trouve les rouleaux. Assez épais, mais des petits trucs fins comme ça, fait que ce soit plastique, c'est pas forcément nécessaire, mais en même temps, ça fait une base, donc je sais pas. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. On se retrouve dans les commentaires pour échanger à propos de toutes ces jolies petites merveilles. Je suis ravie d'avoir découvert tout ça avec vous, hein. Je pense que ça s'entend à ma voix, toujours. Je suis toujours très heureuse quand j'ouvre mes petits colis partenariat, je suis toujours, ah, c'est trop bien! Et puis surtout, voilà, les bonnes surprises. Le serre-tête, c'est une super bonne surprise. Les petites broches, je les trouve super mignonnes. Le marque-page, top. En plus, la grosse réserve de fil en plus, nickel. Les petits trucs, là, c'est à la hauteur de mes attentes. Les stickers, je les trouve très jolis. Donc franchement, c'est que du bonheur. Que du bonheur. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos si ce n'est pas déjà fait. Je vous montre très vite en vidéo. Le serre-tête et les broches, c'est promis. Les stickers, j'aimerais vous dire que c'est promis, mais comme c'est pas l'article sur lequel je vais le plus spontanément, ils peuvent traîner un petit peu. Mais j'espère les avoir faits avant Noël. Allez, je me challenge, je les ferai avant Noël. On y croit? Dites-moi si vous pensez que je vais tenir cet objectif-là ou pas du tout. On se retrouve dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre plein de petits pouces vers le haut, ça me fait toujours très plaisir. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. À bientôt. Ciao, ciao!